t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. C'est pas du tout ce que tu crois. T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour raccrocher. En fait, il est même fait pour cette vie. Il y a forcément un autre moyen. C'est de toi dont j'ai besoin. Cela fait presque 5 années qu'Uncharted 3 a réjoui l'univers des jeux vidéo. 5 années qui peuvent paraître longues, mais qui sont également un gage de qualité, à une époque où les développeurs empilent les suites comme les briques d'un mur délabré par l'usure. Naughty Dog a indéniablement mis toutes les chances de son côté pour proposer un nouvel opus à la hauteur de l'attente des fans, et ce malgré une génération actuelle de consoles un brin balbutiante. Pour beaucoup, Nathan Drake et Uncharted au sens plus large a toujours été considéré comme la plus grande personnalité du catalogue exclusif de Sony, et les raisons sont nombreuses. Gameplay simple, action spectaculaire, sauce wow effect, héros charismatique, humour affûté, sans le moindre doute, cette série fait partie de l'histoire et quitte à enlever toute trace de suspense, autant le dire de suite, A Thief's End est de loin le plus abouti. C'est donc sans surprise que l'on retrouve pour une dernière fois Drake, toute la clique habituelle, ainsi qu'un invité surprise, Samuel, son frère. Frère qui s'apprête à bousculer sa vie ennuyeuse et paisible d'homme marié en le propulsant à la poursuite d'un nouveau trésor légendaire. Et nous n'en dirons pas plus pour éviter la moindre trace de spoil. Car s'il y a un domaine où Uncharted 4 connaît une nette progression, c'est bel et bien en termes de narration. Plus maîtrisé, plus crédible, plus touchant, sans bien sûr négliger l'humour. Présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes! Cet opus est une véritable petite pépite où rien ne paraît finalement surjoué, y compris sa version française. Une performance de haute volée où se mêlent également deux données capitales. D'un côté le visuel d'une beauté inégalée et garni de détails qui font toute la différence, et d'un autre un level design qui fissure intelligemment, sans le renier, le carcan linéaire dans lequel Nathan pouvait se sentir parfois à l'étroit, même s'il convient d'avoir la manette en main pour ressentir à quel point le travail a été gigantesque. Ainsi, on retrouve avec joie les moments spectaculaires qui ont fait le succès de la série, les zones étant plus ouvertes et proposant parfois plusieurs voies d'accès. Il est donc plus rare de ressentir la linéarité qui pouvait frapper par instant dans les précédentes productions de Naughty Dog, aussi bien dans les phases d'exploration que dans les phases de combat. En définitive, au-delà de sa fluidité, Uncharted 4 représente la quintessence de son genre. Le tout rehaussé de petites nouveautés comme un système de grimpette affiné, des passages en véhicule où l'on peut explorer les zones librement, des phases d'infiltration plus poussées avec la possibilité de marquer ses adversaires tout en profitant d'une jauge de détection. Un vrai bonheur qui, en plus de durer presque 14 heures, pourra être, comme à son habitude, prolongé par la collecte d'une palanquée de trésors et bonus, ainsi que par un mode multi qui fera plaisir à tous les fans reprenant l'essence de la grimpette, ainsi que des gunfights proposant 4 modes de jeu différents sur 8 maps. Du classique en somme, pas de quoi non plus atteindre les sphères de l'e-sport, mais bien une expérience plus convaincante que dans Uncharted 3. Mais sans le moindre doute, le principal intérêt d'Uncharted 4 réside dans son aventure solo, qui, de la première à la dernière minute, offre un grand moment de divertissement manette en main, dans la plus pure tradition de la série, par son rythme effréné, sa chasse au trésor et ses innombrables moments spectaculaires. Uncharted 4 A Thief's End répond à toutes les attentes et se permet même de les surpasser. Bien sûr, rien n'est parfait et quelques légers bémols auraient encore pu disparaître. Mais incontestablement, ce titre est une perle qui pousse le concept Uncharted à son summum en proposant un voyage à travers le monde que l'on n'oubliera pas de sitôt. On se permettra juste de chuchoter qu'un certain Tomb Raider n'est pas totalement innocent quant à l'évolution de Nate et que l'on aurait apprécié devoir faire face à des énigmes un peu plus conséquentes. En tout cas, une chose est sûre, avec ce quatrième opus, une page d'histoire se tourne, et Dieu qu'il fut agréable de refermer le livre de Nathan avec une telle aventure. Chapeau bas, Naughty Dog.